Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur City Skylines. Alors aujourd'hui, je sais pas encore trop ce qu'on va faire. On va déjà voir si notre petit problème qu'on avait ici, hein, la dernière fois, vous vous souvenez, s'il va être réglé, si on peut le régler ou... Alors normalement ça a l'air de... Ça a l'air d'aller. Ça a l'air de plutôt bien se passer. On s'était amusé avec le trafic la dernière fois. Est-ce que... Ça a l'air de plutôt bien se passer pour le moment. Ça va. Alors, j'ai mis mon micro devant l'écran, du coup. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien comme ça. Et si pas, ben, je réglerai ça à la prochaine vidéo, hein. Ok. On va peut-être un peu regarder ce qu'on nous demande. On nous demande des zones industrielles, une petite zone industrielle. Alors, on pourrait se faire des bureaux. Ça fait longtemps qu'on n'a plus fait ça. On n'a pas de bureau quelque part en plus. Enfin, si, on avait des bureaux ici dans notre arrondissement du Grand Maître. Mais on pourrait peut-être. Alors, est-ce qu'on peut déjà débloquer? On ne peut plus rien débloquer pour le moment. Ok. Donc, on pourrait alors peut-être faire quelque chose. Je veux que je referais bien quand même ici encore une zone d'habitation. Et on aura même après ici une petite autoroute. Alors je vois qu'ici on a le train. Alors tous les trains sont à l'arrêt ici. Oh. Ah ouais, donc le problème vient vraiment de là. Ok, ce qu'on va faire, parce qu'on doit quand même augmenter certaines choses, on va un peu travailler. Alors est-ce qu'on avait encore des zones? Je crois, voilà. Ici on avait quelques zones encore. De normal, faible densité. J'hésite à les augmenter carrément en haute densité. Ici, ça s'était construit. Donc on peut pas continuer. Je suis désolé, hein. J'ai pas préparé parce que je trouve ça plus sympa à faire tous ensemble en fait. Alors vous voyez, ici on n'aura pas de sortie. Donc je crois qu'on pourrait peut-être carrément. Faire que ici, vous voyez ça, pour être continué là, je sais pas encore. On verra bien. On va commencer par se refaire une petite zone d'habitation. Bon, je crois qu'on va commencer par ça. Avec voilà. Des petits arbres. Alors, est-ce qu'on a des arbres à côté ou pas? On va pour le moment garder ça. Ok. Voilà. Alors, je sais pas encore trop ce que je vais faire. Donc, pour le moment, ce qu'on va faire, c'est juste un tracé, disons, assez simpliste. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va juste tirer l'autoroute. Donc, zou et zou. Et voilà, on tourne tout ça. Comme ça, on fait juste la sortie. Vous voyez, là, c'est histoire de, en fait, de pas perdre trop de temps et d'argent. On va juste les faire aller. Allez, on les fait juste passer, quoi. Donc, on va augmenter de 10. Fait ça et on diminue. Voilà. Super. On met une petite sortie. Voilà. Très simple, très moche, hein, comme je sais bien faire. Et oula. Et maintenant, on va remplir ici. Alors, ce que je crois qui pourrait être sympa, c'est de faire passer ici en dessous, là en dessous de l'autre, faire passer la route. Comme ça, ils sont connectés, je crois que ça peut être pas mal. Voilà.
Ah oui, je fais un peu, vous voyez, toujours, hein, je fais toujours du je clique. On va pas dire n'importe où, parce que ce serait pas raisonnable de dire ça, mais on est quand même assez proche du un peu n'importe où. Ok, alors, on va remplir tout ça. Voilà, comme ça. Voilà, on va remplir au moins comme ça et on verra bien comment ça se passe concrètement. Parfait, parfait, parfait. Allez, on va mettre jusque-là. Alors ici, on va remplir quand même comme ça. Voilà, tout le long, comme ça, c'est parfait. Et donc, je vous disais que moi, j'aimerais bien peut-être. Alors, il faudrait prendre quand même une plus grande route, hein. Mais j'ai un peu peur que pour descendre, ça serait un peu chaud. Ah, ça a l'air d'aller. Ok. Ok, parfait. Et ben voilà, comme ça on a ça. On va mettre maintenant la base de tout ce qui est chaleur, bientôt tout ce qui est électricité. Voilà. Super. Et niveau électricité, voilà, ici. Ah ouais, c'est vrai qu'il faut pas que je bloque la route. Donc maintenant c'est bon. Super. Voilà, comme ça va évoluer. Et on peut faire ce que je voulais faire depuis un petit temps. C'est voir pour nos trains. Vous voyez ici les trains. Le problème c'est qu'on a des trains de passagers et des trains de marchandises. Et ça c'était mon erreur. De faire venir les trains de marchandises sur la même voie que les trains. Oula! Attendez, attendez, attendez. On va vite régler ça. Donc on va dire que lui c'est pour aller là et ça c'est pour aller ici. Et lui il peut tourner que par là. Voilà. Ça va déjà un peu aider. Ah oui, ok, la sortie. D'accord. D'accord. Alors, donc je disais mon erreur. Voilà, c'est. C'est exactement ça. C'est que tout se redirigeait sur une seule voie. Alors, la question c'est est-ce qu'on va garder quatre voies comme ça? Ou est-ce qu'on mettrait à chaque fois des voies uniques? Parce que ce qui déconne, c'est que des fois il y en a un ou deux qui attendent ici. Et voilà, ça déconne. Et lui, ah oui, il transporte des passagers, ok. Et vous voyez ici, ceux qui transportent les passagers, ben, sont bloqués en fait là. Parce que, ouais. Donc, ce que je ferais. En fait, je ferais bien partir. Donc là, ça passe. Mais il est énorme. What? Mais il est beaucoup trop gros. C'est abusé. C'est peut-être un truc que j'ai mis et que je suis pas au courant que je l'ai mis. En fait, l'avantage et le désavantage, c'est que ici, c'est pas d'office. Enfin, si, il roule d'office à droite, mais. Je comprends pas pourquoi il déconne, du coup.
Je suis désolé, hein. Je dois y réfléchir. On va essayer de réfléchir ensemble. Le mieux, c'est de dédoubler, je crois, notre système de train. Et on pourrait faire, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre genre deux rails au-dessus. Un rail qui va être de transport de marchandises et un qui va être transport de passagers. Ça peut être intéressant, ça peut être sympa à faire. Alors, le plus compliqué, c'est de faire accepter ça. Alors, c'était, je crois, comme ça et. Et je ne sais plus comment on faisait ce genre de choses. Ou alors on les met tous l'un à côté de l'autre, mais ça va être très bizarre, non? En tout cas, ici c'est quoi ça? Marchandises. Ouais. Je suis désolé, c'est le blanc total. Ok, on va commencer par ici. On va de toute façon doubler le tout. Donc ça, zou, on fait disparaître. Et le rail là, on le fait aller. Alors on va quand même réactiver du coup tout ça. Donc il y a là. Donc moi je mettrais bien genre. Comme ça. Enfin on pourrait même faire beaucoup plus proche, hein. Ça et comme ça. Voilà. Donc maintenant on avance de combien? On avance de 10 unités et on monte à 10. Voilà, super. C'est parfait. Maintenant on avance de combien d'unités on va avancer? Ah oui, on doit avancer, mais on doit en plus rester en hauteur. Ou alors il s'est juste pas accroché. Non, c'est bon. Donc on va être un peu droit comme ça. Et on avance donc de 49 unités. Est-ce que c'est bien ça? 49 unités. Parfait. D'accord. Et là, on a un petit problème. Type sol. Ok. Alors, pourquoi donc? Ah. Bon, ça, on peut. Oh là là. Voilà. Plus. Ok, ça. On va aussi essayer de faire comme ça. Ici. On est bon. Et là, c'est bon. Ok. Plus ou moins. Hein. On s'entend bien, c'est ça. Alors, celui qui va être ici va donc. On va d'abord passer ici. On avance de quoi? De 10 unités, comme ça, c'est facile. Et 10 unités, voilà. Alors on va en faire descendre un, en plus un qui est directement relié ici. Alors par contre, ça veut dire que je suis pas du tout droit en fait. C'est un peu embêtant. C'est assez embêtant. Est-ce que. Ah ouais. Comment est-ce que je vais faire pour être bien parallèle à tout ça?
Parce que, genre, ici, c'était comme ça, quoi. Et donc, j'aurais dû faire. Vous savez quoi? C'est pas trop grave. Celui-là, on va le faire descendre là. Et lui, on va essayer. Alors, comment est-ce que je vais faire? Pour que donc il s'accroche pas. Je vais essayer donc comme ça. Alors il s'est relié ou pas? Ah ouais, il s'est relié. C'était pas le but. Et si je remets plus 10, non, il va pas me. À quoi il veut me faire. What? Attendez, attendez. Non, je peux pas. Ok, je suis désolé, on prend beaucoup de temps pour le moment. Mais c'est comme ça, hein, c'est pas trop grave. On va essayer de juste ici longer. Alors on va être à plus 10. Et on va longer la petite route là. Comme ça, pépère. Alors pour ce qu'on va faire, on va descendre du coup. Parce que ben, on peut plus rester en hauteur. On va rester là. Et ce qu'on va faire, c'est donc. Alors, on va faire comme ça. Et on va dire, voilà, maintenant toi, tu te connectes à lui. Et toi qui es, je ne sais pas trop où, là, tu vas monter de 10. Voilà. Comme ça, on a tout ici qui peut aller l'un sur l'autre sans trop de problèmes. Et en fait, ce que je vais faire, hein, c'est au lieu de. Alors juste, on va empêcher ça. Alors, il était de quelle hauteur, lui? Apparemment, ça a l'air plus ou moins bon. Alors, je suis désolé, hein, ça fait très, très YOLO. Et c'est un peu le cas. Est-ce qu'on ferait comme ça? Ici, c'est cool. C'est pourquoi. Ah ouais. On peut alors le mettre ici à 0 et une fois voir ce que ça va donner. Imaginons, on va faire comme ça. Juste comme ça. Parce que c'est ici qu'ils vont devoir aller, hein, du coup. Ah non. Lui, il a rien à faire là. Donc je peux le connecter même plus loin, même si ça vaut pas trop le coup pour le moment. Enfin, dans le sens, ça aurait été plus intéressant de passer de l'autre côté. Ok, on va tester, hein. Ce que je fais, c'est je vais faire comme ça, en mode gros barlos. Et comme ça, on voit un peu comment ça se passe concrètement. Donc, on en est à ce que lui va continuer là. Il continue, et puis hop, il va remonter. Alors que lui, ici, il fait ça, et il va là, et lui, il remonte. Ok, on va tester, on va une fois voir ce que ça a donné. Ça va créer un beau petit bordel pour le moment. Et c'est un peu moche, enfin, c'est assez moche même.
Mais au moins, je veux dire, on a fait notre base et on adaptera un peu niveau beauté, niveau. Voilà, ça se met l'un sur l'autre, c'est assez spécial. Mais j'espère que ça va pas. Ça va ramener du coup du monde, en fait, vous voyez. Et on a du monde qui attend ici, apparemment. Alors, on n'a plus de train. Ok, c'est juste que voilà, ils arrivent. Ah, ils disparaissent. Attendez, est-ce que c'est moi ou il y a un bug ici? Ou alors c'est tous les. Ah. Donc ça, c'est un train de marchandises. Ok. Ah, j'ai une petite erreur, moi. Ok. Mais il est beaucoup trop long, c'est abusé. D'accord. Ok, ça a l'air de bien se passer. Ici, niveau personne, bah, ça a l'air d'être. Ça a l'air de plus ou moins bien bouger. Alors, oui, pas là. Ici, ça a pas envie. Ok, on va toucher à ça du coup. Voilà, normalement, on est bon. Donc ça va ramener des gens. Alors ça ramenait normalement déjà de l'autre côté, hein, donc ça va. Ok. Et là, ici, tout a l'air d'être connecté. Ouais, c'est connecté vers l'extérieur, donc. Normalement, c'est bon. Eh bien, écoutez, on va arrêter cet épisode ici. Désolé, ça a pris. C'était un peu. Je crois que c'était pas un cool épisode, hein, qu'on se le dise. Mais au moins, on a commencé à régler un problème que je ne voulais pas régler. Enfin, que je voulais régler, mais qui est assez chiant à régler. Et du coup, vous voyez ici, ça ralentit. Est-ce que c'est à cause d'ici? Ouais, c'est à cause de là. Ah ouais, du coup, ça a créé un gros. Ouais, ça va encore. Ils ont le temps avant d'arriver ici, donc. Ça va. Et du coup, attendez, est-ce qu'on peut, vous croyez, avec Traffic Manager, est-ce qu'il y en a qui. On peut mettre une priorité ou pas? On peut mettre une priorité. C'est fou, ça. Ok. Bah, je savais pas. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!